reste encore toi, vieux brigand. Comment ça va? Arrête-toi, je te dis! Juste une question, là, en passant. Pourquoi t'es à mes trousses? Je veux que tu saches que j'autorise la transformation d'Excel Saga en bon vieux polar! Ah, je vois. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je rassemble les deux pièces du puzzle et... Non, c'est pas ce que j'ai dit! C'est l'hiver, n'importe quoi. Enfin, peu importe, la population bercée d'insouciance n'a même pas remarqué que c'était bizarre, quelle bande de zombies. N'empêche que cette ville est menacée, et c'est ce qui compte. Menacée, parfaitement. Si je le dis, c'est que c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a été confirmé par téléphone. La situation est gravissime, il y a urgence, ça craint un max, comme on dit aujourd'hui. Que faire? Que faire? Je pose la question, et je donne la réponse. J'ai recruté des jeunes, des guerriers, de vrais tueurs. Ils sont prêts à tout, même à se sacrifier devant tout le monde sur l'autel de luxe de la justice. Malheureusement, leur enthousiasme n'est égal que leur manque d'expérience. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire. C'est LA chose à faire. Alors, les recrues, toujours avides de bosser? Un peu, oui. Parfait, ça tombe bien. D'ailleurs, puisqu'on parle boulot, qu'est-ce que vous en pensez de votre travail? Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est nul, on se fait chier à mourir, c'est un job de vieux. Notre travail est très intéressant, monsieur, et très motivant. Et c'est une activité aussi riche que nous le serons bientôt, vu le niveau du salaire que nous recevons. Arrête ton charme, Matsuya. C'est vrai que c'est confortable d'être payé pour faire le boulot pour lequel on est payé. Mais franchement, c'est trop plan-plan comme taf. C'est RTT tous les jours. Bien, je vois ce que c'est. J'ai peut-être une solution pour vous. J'ai une proposition à vous faire. Hein? Je sais, c'est un peu soudain. C'est nouveau, ça vient de sortir, mais j'ai décidé que vous alliez devenir détective public. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Waouh! Il y a de la joie, tu as l'air d'excellente humeur, chef, aujourd'hui. C'est un jour spécial, se passe quelque chose? Hein? Mais bien sûr, ma petite Hachan, on est entré dans la période des fêtes de fin d'année. Et je suis seigneur et palazzo. Fêtez ça! Joyeux Noël! Vous savez que l'hiver, c'est pas la bonne saison pour faire trempette. Je vais choper la crêpe si je sors les cheveux mouillés. L'eau est fraîche, c'est ça? Les raisons de ton excitation m'échappent, Excel. Comment ton esprit peut-il se laisser emporter par une tradition aussi mercantile que celle des fêtes de Noël? Pardonnez-moi, Seigneur Il Palazzo, mais je dois vous interrompre. On passe à la télé, là, et si vous nous gratifiez du couplet anti-Noël qu'on se permet dans les BD, on va passer à la trappe. Ils vont nous sucrer notre case dans les programmes. Alors on range ça dans sa caisse et on continue le fil de notre histoire. Soit. Je te remercie de ta franchise et pour une fois, je suis d'accord avec toi. Je vais suivre ton conseil et terminer cette scène aussi politiquement correctement que possible. Je vous ai convoqué pour vous présenter le plan d'action d'aujourd'hui. Agent Excel, agent Hayat, votre mission est de mettre en œuvre le plan de conquête numéro 3333. Cependant, avant toute chose, Excel... Oui, maître. Et crois bien que ce n'est pas parce que c'est Noël. J'ai un cadeau pour toi, de quoi te faire plaisir, je pense. Oh, Seigneur, c'est vraiment vrai! Tu peux en faire un sac à main, un string ou un bonnet de nuit. On aura tous les outils qu'il faut pour ça. On arrête.
Nous sommes des agents de sécurité de la municipalité. Norikuni Iwata, Misaki Matsuya et les deux autres. Merci pour les deux autres, c'est vachement sympa. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de petits fonctionnaires. Oui, bien sûr, je comprends. Excusez-nous non, de vous... Non, nous ne sommes pas ce que vous croyez. J'ai toujours éprouvé la plus grande admiration pour les détectives. Constamment à la recherche d'indices, ils se lancent aux trousses des plus grands truands de la planète en faisant tout péter sur leur passage. De vrais héros, quoi. C'est terminé? Oui, c'est fini, et Dieu merci, tu as survécu. Toi, la scientifique qui a trahi l'agence par amour. Le monde est sauvé. Sauvé, oui, mais au prix de quel sacrifice? Peace and love et roule ma poule. Essaie un peu de me tuer pour voir. Mais tu es vivant, c'est un miracle. Attention. Watanabe. Ce pistolet. Te fatigue pas, vieux, c'est bientôt le générique. Qu'est-ce qu'il a? T'as vu sa tête? Ça suffit, la volaille. Fermez-la, on s'entend plus. Au moins une minute, si vous le voulez bien. Une femme? Je crois que je vous aime. Kabapu, votre instructeur, m'a tout expliqué. Vous serez mes assistants pour la journée. C'est un bon moyen de débuter dans le métier, alors soyons bons amis. Pas de problème, à la vie, à la mort. Excellent, je te donne 5 points. 5 points pour ma pomme. C'est drôle, chaque fois que j'ai un mauvais pressentiment, j'ai raison. C'est con, hein. Bien, vous êtes prêts? On y va. À nous, les tumouches. Quel élément clé motive le travail du détective? Il doit avoir un flair d'enfer, c'est le plus important, non? Le fric. Oui, l'argent. Et il y a autre chose à régler. Il vous faut des vrais noms de détective. Oui, l'argent. Je vous écoute, vous êtes sur une affaire, monsieur Barlow? Ouais, je suis sur le meurtre de la 3ème avenue. Bravo, c'est parfait. Et vous, inspecteur Lombo, vous en êtes où? Comme je disais à ma femme et à mon chien, c'est ailleurs que le crime a eu lieu. Je suis éblouie, c'est plus vrai que nature. Inspecteur Haricot, à votre tour. C'est un silence qui en dit long. Félicitations pour cette performance. Et maintenant, attention, au tour de Miss Marble. Madame Rose, avec la corde, dans le grand salon. Oh, vous êtes trop mignon. Quel style, quel panache. De vrais détectives comme vous, on n'en fait plus. On est déjà détective. Un mot résume tout. Le talent. Tu parles, faut qu'on travaille, ouais. C'est quoi cette foire au cancre? Au boulot, les morveux. C'est quand même comme ça que je la préfère. Un vrai coriace, le croco, il a vendu chèrement sa peau. Oh la vache, qu'est-ce qui pue l'animal? T'aurais vu le morceau? Mais une fois la mâchoire fermée, c'est tout faiblard pour la rouvrir. Alors je l'ai muselé et je lui ai enfoncé un pied dans le crâne. Hachan, t'es sûr que tu m'écoutes? Excusez-moi. Oui? J'en voudrais un, s'il vous plaît. Regarde, maman, pas de problème, je vous l'emballe et oui, je vous fais le ticket raison. De caisse. Il est beau, hein? Oh non, alors, il est moche, il a la figure et le nez tout rouge, je suis sûre qu'il est malade. Ah! Hachan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dégoulines de partout, ça passe à travers le masque. Ah, attendez, votre monnaie. Que se passe-t-il, l'intérimaire? Rien, tout va bien, monsieur. Le renne a un problème. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Vu son état, elle sort d'un film d'horreur où elle est tombée sur un sacré pervers. Vas-y, soulève les jambes doucement. Elle va s'en sortir. Allez, on se lève. Doucement. Voilà, c'est bon. C'était trop tard, malheureusement. On n'a rien pu faire. Docteur, hein? Excusez-moi, mais il y a quelqu'un là-dehors qui voudrait voir le corps. C'est bon, faites entrer. Mademoiselle? Ah bah te voilà. Ça va, Hachan? Tu sais que tu nous compliques l'existence avec tes histoires? Nous sommes vraiment désolés. Soyez certaine que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour la sauver. Ce n'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. C'est pas ce qu'on vous demande. Pas de scène de ménage, vous fatiguez pas, ça va aller. Elle refuse de voir la réalité. Écoutez, mademoiselle, je vais être très claire, elle était déjà morte quand... Allez, debout, on se réveille. Oh, c'est toi, chef, quelle surprise. Allez, viens, on rentre au bercail. D'accord. Pardon pour le dérangement, et joyeux Noël. Que se passe-t-il? Je ne me souviens de rien. Si tu continues à mettre des coups de canif dans la définition du moment, ils vont te disséquer pour de bon un de ces jours. Ah! Comment est-ce possible? Pas la moindre piste, aucun indice, rien. On peut savoir au moins sur quel genre d'enquête on est, instructeur détective? Vous pouvez m'appeler Tracy. D'accord, alors qu'est-ce qu'on cherche, Tracy? Je cherche deux hommes, des braqueurs et des assassins. Et ça fera bientôt 40 ans que ça dure. 40 ans? C'est dingue, tu fais vachement plus jeune. Ouais, Mick Tracy. Deux hommes? Ils ont braqué un bureau de poste? Et ils ont fui en embarquant un otage. Ça y est, on la tient, notre enquête!
Je veux tous les détails. Il faut qu'on mette une stratégie au point. Quand tu sens que tu vas mourir, tu devrais... Oh non, Hachan! Elle a encore disparu! Elle est passée où? Faut que je lui mette une laisse ou quoi? Au secours, au voleur! Comment ça, au voleur? À l'assassin, ils ont apporté un otage! Un otage? Hachan! C'est eux. C'est le tandem que je poursuis. Ce qu'il faut, c'est déjà savoir dans quelle direction ils se sont enfuis. Oui, mais malheureusement, j'en sais rien. Bonjour le privé, faudrait commencer à être sérieux. Je sais, c'est par là. Et toi, ta gueule. Cours, cours, crois en toi. Cours de toutes tes forces, ne t'arrête pas. Qu'est-ce que c'est? Une lumière? Prends ça, toi, vire de mon chemin, poussière d'étoiles. Merde, je perds du terrain. Ils se font la malle. Je les rattraperai jamais, c'est la tortue qui veut rattraper le lièvre. La charrue qui veut passer devant le feu. Dans ce cas-là, on fait quoi? Je sais, on reste pas seul. On siffle son fidèle coursier, Menji. Qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi, mon truc. C'est pas un coursier, Menji, c'est mon ragoût de secours. Faut que je trouve une autre solution vite fait. C'est quoi un fidèle coursier? Bingo! C'est un canasson! C'est ça, les bestioles, jamais là quand on a besoin d'elles. À moi, volonté suprême de l'univers, ramène ta fraise! Non, pas les poudings. Non. T'es prévenu, voilà ce qui arrive à ceux qui me prennent pour une bille. Ne recommence jamais ça. Et y a pas de volonté suprême de l'univers qui tienne, c'est compris? Punaise, tu pourras au moins répondre quand on t'appelle. Tiens bon, Hachan. Monsieur le Réal, j'étais comment là? Ça va, on peut continuer? Oui, on peut. On sait où il se dirige? D'après ce que m'a dit le commissaire au téléphone, il fonce vers la 3ème avenue. On va pas aller loin avec ça, c'est vague! Elle a regardé trop de polars à la téloche! Écoutez, on se prend la tête pour rien. On suit le scénario et on fonce à la montagne. Excusez-moi, mais j'aimerais savoir une chose. Qui êtes-vous exactement? Y a un truc qui me gêne. Quoi, vas-y? C'est une question qui me turlupine. Je t'écoute. Je voudrais savoir pourquoi on a emmené un otage. Je me doute que si on l'a fait, c'est qu'on avait une raison, mais je vois pas laquelle, vu qu'il y avait pas le moindre flic en vue. Bon Dieu, à quoi le penser, maman, quand elle t'a fait? On fait jamais une chose à moitié, frérot, tu comprends ça? Toi et moi, on est des vrais braqueurs, il faut le savoir. On n'est pas des voleurs à la tire, des détrousseurs de petites vieilles, non. Nous, c'est les gros paquets de fric qui nous intéressent. Et à tout moment, on peut tomber, une balance, une erreur, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon, fuir, mais c'est ça, j'ai mon toujours chef fuir. Qui m'attend, on est des fugitifs, ça s'appelle. Et pour des fugitifs, un otage, c'est normal, ça va avec, comme les baguettes avec vous les sushis ou la sauce allez, tomate avec les pâtes. Ça fait partie de la grande cuisine du crime, il y a des règles, il faut les respecter, basta. Et tous ceux qui ne comprennent pas ça sont des barbares. Moi, je veux jouer dans la cour des grands. Alors, fais comme tu veux, mais si tu me lâches, c'est que t'as de la cervelle d'un porc. Non, d'accord, je suis un vrai bandit, frangin, je savais pas, c'est tout! Eh ben maintenant tu sais, frérot! Frangin? Yo! Excusez-moi, mais... Quoi? Ça vous embête si je baisse un peu la vitre? J'ai besoin de respirer, je ne me sens pas très bien. Frangin, déconne pas, dis oui, je crois qu'elle est pas bien là, pas bien du tout! Ouais, un peu d'air, ça peut pas nous faire de mal. Ok, il est d'accord, c'est cool! C'est bon, elle récupère. Vous aviez la tronche d'un pare-brise éclaté. C'est quoi votre maladie? Ça s'attrape? Je ne vois pas de quoi vous parler. Elle monte sur la montagne sans son cheval, ohé. Elle monte sur la montagne sans son cheval, ohé. Même en courant de toutes ses forces, même en courant de toutes ses forces, elle n'arrivera jamais à les rejoindre. Bon, assez rigolé, c'est pas le moment de se laisser abattre. Et la pauvre Hachan, qu'est-ce qu'elle doit endurer? Je pars devant, chef. Tu me rejoins? Ils lui glissent des bambous sous les ongles, ils la font cuire à petit feu, ou ils l'ont enterrée vivante dans un sac pour l'empêcher de respirer. Et je vais arriver trop tard et elle va y rester. Ce coup-là, elle sera vraiment morte de la mort qui tue. Oh, Hachan, bravo, bien joué, fillette. Enfin, je te retrouve. Je vois que t'as vu le petit pousset. J'ai plus qu'à suivre ta piste. Vite, avant que les petits oiseaux n'aient tout bouffé. Accroche-toi, Hachan. Tiens, bon, j'arrive pour te sauver. Je sais plus quoi dire là et j'ai les lèvres qui bougent, monsieur le Réal. Vite, un changement de plan. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Des piafs? Qu'est-ce que ça veut dire? Il crevait les petits oiseaux dans le petit pousset, je crois pas. C'est quoi ça? Une marée noire? Ils sont mazoutés? D'accord, la piste va être encore plus facile à suivre, mais on va avoir tous les écolos sur le dos, nous! Oh, merci, Hachan!
Je vais y arriver. Cette fois, je vais arriver à les coincer. Il le faut. Je ne reposerai jamais en paix. Tant que je n'aurai pas arrêté ces criminels. Tracy, pourquoi ces deux bandits vous obsèdent-ils à ce point-là? Ce chapeau qui a appartenu à mon père me ramène à eux. Ah d'accord, j'ai pigé. Chaque fois que tu te le vises sur le crâne, l'esprit de ton père s'empare de toi, tu changes de peau et tu deviens le super détective Mick Tracy. Bah voyons, et quoi encore? C'est exactement ça. C'est ça? Élémentaire mon cher. J'ai dû hériter un peu de son esprit moi aussi. Mon père ne pensait qu'à coincer ces deux voleurs. Ma mère en a tellement souffert qu'elle a fini par nous quitter. Mais mon père a poursuivi sa tâche inlassablement. Et après sa mort, ce chapeau ne m'a plus quittée. Aujourd'hui encore, je veux réaliser le vœu de mon père. Je suis prête à tout sacrifier pour ça. Quel courage, c'est magnifique, c'est vrai ça. Mais cette histoire est tellement vieille, Tracy. Il y a prescription après tant d'années. Oui, je sais, mais c'est plus fort que moi. En route, les bleus. Sœur, yes, sœur. On a réussi, frangin, tu te rends compte? On est riche, plein aux as. Des clous, oui. Des faux, rien que des faux. Sous les billets du dessus d'Elias, y'a rien que du papier de chiottes. Tu rigoles, c'est pas possible. Au total, on n'a même pas de quoi se payer un gueuleton. Ça veut dire que vous avez échoué dans votre entreprise, c'est ça? Toi, l'otage, tu la fermes ou je te glisse des bambous sous les ongles. Je te laisse tomber, frangin, car des fois, tu sais bien que ça ne sert à rien de s'énerver. Et puis, il faut pas faire de mal à une jeune femme sans défense. C'est trop facile, c'est pas bien et c'est mal. Attends, je peux quand même lui gueuler dessus, merde. C'est elle, l'otage, c'est pas moi. Du calme, n'en rajoute pas, t'en as déjà assez fait comme ça. Attendez, je commence à comprendre. En fait, vous êtes des cambrioleurs, c'est ça? Et je vous sers d'otage au cas où ça tourne mal. Hé, t'entends? Elle a tiré la chasse, la petite dame. Bah oui, on est des cambrioleurs, même si on n'a pas piqué de quoi remplir une tirelire. Ça suffit, arrête, pense à ton ulcère. Ta gueule. C'est malin, je te l'avais pourtant dit de te calmer. Tu l'as fichu par terre alors que Tati nous a toujours dit de ne frapper ni femme ni enfant. Oh quoi? Parce que c'est de ma faute? Bon d'accord, je suis désolé, pardon. C'est pas encore assez. Il faut que je me mette à genoux, pardon, c'est ça? Mademoiselle, et que je suis désolé, j'ai atterré aussi, hein. Elle respire plus, frangin, elle respire plus. T'as raison, frérot. C'est drôle, c'est mon premier cadavre. Tu l'as tué. C'est pas vrai. Tu l'as tué. Tu es un assassin, je suis le petit frère d'un assassin. Bon ben, c'est pas de ma faute. Pas de panique. Pour commencer, faut se débarrasser du corps. Pour effacer les traces de ton crime. La piste s'arrête ici. Je sens que je brûle, fin du voyage. Hachan ne doit pas être bien loin maintenant. D'ailleurs, ça sent le brûlé, non? De la fumée? Hachan! Là, regardez, patron! Ouais, ce sont eux. Ça, c'est du flair de détective. Ah oui, pour brûler, je brûle. Il fait une chaleur. Tiens, encore un piaf. Merde, ça veut dire que Hachan est là-dedans. Les monstres à tous les coups, ils l'ont brûlé pour ne laisser aucune trace derrière eux. C'est pas mal, hein? On se croirait dans un vrai film noir, non? Hachan, bouge pas, j'arrive. J'arrive, Hachan, Hachan, Hachan. Chef, t'es où, Hachan? Bah, je comprends pas comment tu fais pour rester là-dedans. C'est brûlant, tu te prends pour une merguez ou quoi? Par ici. D'accord, patron. Si seulement j'étais pas complètement paumé. Chef? Poupée de cire, poupée de feu. Il court, le furet, il est passé par ici, il repassera par là, avec les jambes dans les bras. Oh, avec les bras. Chef, est-ce que ça va? Hachan, on peut savoir ce que tu fais là, alors que t'es censé rôtir comme un poulet? Oui, j'étais dans ce feu. Il y a deux secondes, j'étais dans ce feu. Mais j'ai retrouvé la sortie malgré la fumée, alors je l'ai prise et je me suis retrouvée dehors. Et sans que je sache comment, tu es apparu devant moi. Et les bandits sont passés où? Je ne sais pas, ils ont dû s'enfuir. Oh, j'ai couru comme une dératée, j'ai même risqué ma peau, tout ça pour rien. Je savais que tu retrouverais ma piste, je savais que tu viendrais à mon secours. Oui, d'ailleurs, elle était bizarre ta piste, il faudra que tu m'expliques comment tu fais avec les oiseaux. Mais un autre jour, hein. Pour le moment, je veux rentrer chez moi. Je suis claquée de chez claquée, j'ai quand même failli mourir. Alors il n'y a plus de suspense? Non, l'affaire est close, on se fait une petite rando pour rentrer? Pas de problème, chef. Tu te rends compte? Tu l'as brûlé, t'as brûlé son cadavre. J'ai détruit une preuve, tu voulais que je l'encadre? Même dans les plus grandes civilisations, on incinère les morts. Tu vas pas nous en faire un fromage, non? Alors oublie-la, laisse-la reposer en paix. Traçons la route et basta. Tant qu'on reste ensemble, nous deux, rien ne peut nous arriver. Quand je pense qu'on a dévalisé un bureau de poste, qu'on est parti en emportant un otage, qu'on l'a tué, qu'on s'est débarrassé du corps et tout ça sans la moindre circonstance atténuante. On a même volé des armes en plus. Ouais, bah tout ça, c'est pas de ma faute, hein? Coucou. Oh. Coucou. Oh.
va? Rien de cassé? Ça dépend pour qui. Regardez! Ce sont nos suspects, ça ne fait pas de doute. Il n'en reste pas grand-chose. Ce sont ceux que mon père a poursuivis pendant tant d'années. Ça y est, papa, tu peux être fier de moi. J'y suis enfin arrivé. Comment? Vas-y, réalise ton vœu le plus cher. Arrête-les, tu pourras reposer en paix. Joyeux Noël, patron. Là, joue pas trop cool, on n'est pas des vieux potes. Mais merci quand même. Hideyuki Koruda, Yosuke Koruda, vous êtes en état d'arrestation pour un vol commis il y a 40 ans dont vous avez été reconnu coupable. Oh! Quoi? Non, c'est pas eux! Comment ça, c'est pas eux? C'est pas encore demain la veille que tu reposeras en paix, papa. Transformer mes vrais tueurs en fin limier, en détective pur jus, voilà ce que j'appelle une grande idée, d'autant plus qu'elle est de moi. Bon, je l'ai pas dit non plus, ce que je n'ai pas dit, ce ne sont pas déjà des pros de la déduction, ce serait trop beau. Mais je suis certain qu'ils ont fait un grand pas en avant dans le bon sens. Ils sont sur orbite et deviendront un jour des détectives. De grands détectives. Depuis le temps que j'attendais ça. De vrais tueurs à l'instinct d'enquêteurs aiguisés. Voilà ce qu'il faut à mon équipe. Oh, pourvu que ce ne soit pas un échec. Impossible, ces jeunes vont être transfigurés. Ce seront mes agents d'élite que le monde m'enviera. Bon, alors, c'était comment votre journée de formation? Nul à chier, patron. Ah, je vois. Oui, on peut. Vous êtes sûr? Un producteur avait l'air de faire la gueule, on s'en fout? Oui, on peut. On n'est pas sur la corde raide? On peut se détendre? Oui, on peut. Sympa, ça rassure. Bon, le prochain épisode, c'est pour ceux qui ont raté le début. Quoi, on peut savoir? Oui, on peut. Plus tard alors, parce que dans le prochain épisode, Nouvel An, concours de talent, le punk du Nouvel An va frapper fort. Un feu d'artifice de flashback, on peut le dire. Oui, on peut. Qu'est-ce qu'on peut? On volait?